Donc alors, je vais commencer par coller le papier décoré sur la grande pochette. Donc, je vais essayer de le centrer. Voilà, à peu près. Et donc là, je vais venir coller la pochette là, en fait. Je vais passer sur les... Je vais le coller là, sur les rabats. Comme ça. Et après, ce sera collé ensemble. Ouais, je vais faire ça. Je vais quand même couper là. Comme ça, ce sera fait en biais. Ça. Hop. Là. L'autre aussi. À y être. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais enlever un petit peu là, les bords pour pouvoir coller. Et donc, je vais venir me mettre au bord. Voilà. Là, je vais venir coller aussi. Donc là, vous voyez, on fermera. Sauf que ça va pas, ça. J'ai pas fait comme il faut. Je vais remettre un coup de... Donc, en fait, il faut le faire comme ça. C'est plus facile. Voilà. Bon, alors, j'ai remis du double face. Là, j'ai collé, en fait, j'ai commencé par coller là. Ce sera plus facile après pour... voilà, pour fermer. Donc, eh bien, on y va. Hop. Là, on va faire les deux en même temps, comme ça. Ce sera plus... Ça baillera pas après. Là et là, on vient juste appuyer. Et là, voilà, la pochette elle est prête. Donc, eh ben, j'ai plus qu'à coller maintenant en bas. Donc, ça c'est fait. On va venir. Je vais coller les bords d'abord. Hop, hop. Voilà.
Donc, je vais appuyer et là, on colle, on enlève le bas et on va coller tout ça. Logiquement, ça devrait tenir. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Je vais coller là. Là. Et voilà. Donc, voilà. Là, je vais coller mon petit bout de papier décoré. On aurait pu le faire avant aussi. Bon, ben, c'est pareil en fait. Donc, j'essaye de me mettre à peu près. Voilà. Ah ben, il ne me reste plus qu'à faire la petite pochette du haut. Je vais faire une petite comme ça. Non. Donc alors, pour la petite pochette, parce qu'en fait, le but, c'est de masquer là les démarcations, parce que comme le papier il est fin, du coup, on le voit dessous. Donc, je vais faire du 5 de large. De haut, pardon. Et du 8. Du 8. Ouais. 5 de haut et 8 de large. Donc je vais couper mon papier en 5 de large. Non, 6 et demi, pardon. Parce qu'il faut que je rajoute les 1,5 pour le rebord. Le rebord. Même. Non, je vais couper à 7 parce que je vais faire une frise avec la perfo. Voilà. Et donc, il me faut 8, 8 plus 3, puisqu'un et demi de chaque côté. 11. 11 de large. Voilà. Je vais faire les plis comme ça, ce sera fait. Donc, je fais un pli à 1,5. Je retourne mon papier. Je fais un autre pli à 1,5. Et un autre à 1,5. Avant de plier, je vais perforer. Bon. Là. Je vais faire mes plis. Je vais quand même vérifier. Voilà, ça masque, puisqu'il y aura les cartes après. Je vais quand même regarder si du coup elles passent mes cartes. Bon, moi les miennes, c'est moi qui les ai fait au pif, donc. Mais c'est pas les règles. J'ai fait ça au pif. Donc je vais le baisser un peu. Voilà, comme ça. Et là, presque j'en mettrai une autre. Ouais. Donc je vais faire celle-là. Et du coup, avec la chute que je viens de couper, je vais en faire une autre petite. C'était pas prévu, mais du coup, au moins j'en aurai une pour les miennes et une pour les autres cartes.
c'est bien comme ça. Et donc là, je vais faire 1,5, 1,5 et 1,5. Toujours pareil, sachant qu'on peut le faire avec 1 cm. Moi, c'est parce que j'aime bien le faire à 1,5, mais c'est comme on le sent, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Chacun le fait comme il a l'habitude. Voilà. Hop. Et donc là, ça, ça va être là. Ça, ça va être là. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à décorer les petites pochettes. Alors, je vais prendre les petits bouts de papier. Parce que j'ai... Ah, celui-là, il serait joli. Ça mettrait un peu de rose. Parce que bleu, ça va faire fade. Et celui-là... Celui-là, peut-être. Je reste dans le beige. On va rester dans le beige. Donc, il me faut un papier qui fait 8. Donc, 7,5. 7,5 sur 3,7. 7,5 sur 3,7. 7,5 sur 3,7. Donc voilà. Je vérifie. Super. Et donc l'autre que j'avais perdu. Donc 6,5 sur 4. Donc 6,5 sur 4. Je vais ancrer, les tamponner un peu et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai ancré et tamponné mes petits bouts de papier. C'est quand même plus sympa comme ça, ça fait moins fade. Enfin, après j'aime bien quand c'est chargé. Donc du coup, ben, on va coller les papiers maintenant. Donc, celui-là c'était là et celui-là c'était là. Donc j'en ai profité aussi pour mettre le double face, hein, comme ça je vous faisais gagner du temps. Hop. Donc je vérifie que ce soit bien l'endroit l'écriture quand même. Et donc là, je viens le coller. Voilà, pareil pour l'autre. Je vérifie que ce soit l'endroit et je viens le coller. Voilà. Donc ben maintenant j'ai plus qu'à couper en biais mes petites pochettes. Donc, voilà. Et
Voilà. Et donc, ben maintenant, il n'y a plus qu'à les coller. Je nettoie un peu parce que je ne suis pas à l'atelier là. Donc là et là. Là et là. Donc je vais commencer par coller celle-là. Donc là je fais comme ça, comme c'est des petites, je vais pas m'embêter à coller d'abord le bas et puis après les côtés. On va faire comme ça. Et donc là, on vient coller, bien sûr, je viens appuyer hein, avec le... J'ai perdu le nom. Le plioir hein, je sais plus. J'ai perdu le nom. Donc voilà. Et là, on va faire pareil avec l'autre du coup. Hop. 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 Et hop. Et donc là, celle-là, je vais venir la coller à côté. Non. Voilà, alors, j'ai fini pour le devant, donc, c'est que j'ai mis le bloc, non. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Voilà, ça, il y aura le stylo. Donc, ça va donner ceci. Ça, c'est la couverture. Peut-être je l'arrangerai, après j'irai voir. Je pense que j'y mettrai des trucs, mais après je verrai. Mais là, c'est en gros, voilà. Donc, on va ouvrir. Donc là, nous avons une grande pochette. Une grande pochette. Nous avons une autre pochette à souffler, plus petite. Là, on peut mettre les cartes de visite. Là, nous avons le bloc-notes, le stylo. Et derrière, nous avons deux petites pochettes pour des cartes. Et une pochette moyenne et une autre petite là. En fait, là, comme ça, on peut, je mettrai des papiers pour noter ou des post-it ou je sais pas encore. Voilà. Donc, voilà. Donc, le devant, il est fait. Ben, on va passer au derrière, hein, au dos. Donc, alors là, pour la couverture, ça, donc, c'est le derrière. Je vais le décorer simplement comme le devant. Et puis là, par contre, je vais enlever. Il y a déjà la pochette. Forcément, je vais l'enlever. Donc, je vais commencer par le derrière, en fait. Donc, ben, on va choisir le papier. Je vais voir le devant. J'aime bien celui-là en fait. Ce serait sympa. Mais. Et ouais, j'aurais pas la carte. Ah si, un petit peu. Ouais. Si je me cale là. C'est sympa celui-là. Après. Celui-là aussi est sympa. Trop dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir. Puis je vous retrouve après du coup. Donc j'ai choisi celui-là en fait parce que j'aime bien, là ça fait style lettres, vieilles lettres et tout ça. Donc eh bien, je vais le coller là comme ça. Donc, je vais prendre les mesures. Hop. Donc ça fait du
20, donc 19,5 de large sur 25,5 de haut. Donc 19,5 de large. 19,5 de large sur 25,5. Bien sûr, je vais vieillir. Il est vraiment très fin ce papier. Donc je vieillis, je vous retrouve après. Donc voilà, alors là j'ai bien forcé, je sais pas si vous voyez là, sur le vieillissage. Je vais tamponner quand même quelques mots pour renforcer l'effet vieilli. Donc pareil, un peu n'importe comment, un peu partout. Hop. Voilà. On va rajouter celui-là. Là. Et je voulais en mettre en bas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à mettre le double face. Hein. Donc, je vous retrouve après. Bon, donc voilà, j'ai mis une double face. Ben, il n'y a plus qu'à coller. On y va. Alors, du coup... comme je vous avais montré, je ne sais plus sur lequel, je ne vais pas tout coller d'un coup, puisqu'il va falloir que je découpe en même temps pour passer l'élastique là. Donc du coup, je vais faire qu'un côté, et après je ferai l'autre. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près droite. J'espère d'ailleurs que ça va marcher comme le papier est très fin. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Hein. Hop. Bien sûr. Et donc là, du coup, comme j'ai l'élastique, je vais venir découper autour, au pif, en fait, à la sensation, autour de l'élastique pour faire passer le papier. Donc, on y va. J'espère que vous y voyez. Voilà en fait ce que ça a donné. Et je fais pareil en bas. Alors là, il est mal mis, donc je le mets bien à plat. Et pareil au pif, je vais venir découper le papier. Donc, là, ce qui n'est pas pratique, comme il est très fin, voilà, vous voyez, et donc après, par contre, je viendrai vieillir là où j'ai coupé, donc, je vais venir décoller
Mais je m'y suis mal prise en fait. Avant de décoller, je vais repasser l'élastique comme il était en fait. Sinon, je vais pas y arriver. Il est trop fin le papier. Hop, voilà. Donc, je vais décoller. Et je vais en coller là. Là. Là, maintenant, je viens repasser l'élastique derrière. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir finir de coller. Sauf que là, du coup, parce que du coup j'arrive pas à l'attraper avec les ongles, et en plus comme le papier il est fin, il s'est déjà recollé. Donc j'essaye de décoller les petits bouts qui restent en fait de protection. Voilà. Hop. Là, là je viens tirer et je viens coller. Et là on va faire pareil. Voilà. Bien sûr, là, je viens vieillir autour. On n'est pas obligé, hein, mais bon. Ça, c'est moi. En plus, comme ça, je continue à donner un effet un peu vieilli. Et donc là, voilà, le ça bouge plus. Je vérifie quand même que j'ai bien tout collé. Super. Voilà, ben, la couverture elle est faite. Bon, peut-être je la rangerai, je sais pas. Je verrai après, comme le devant. Donc là, ça, je vais faire attention de le laisser. C'est pour retrouver les jours, un genre de marque-page en fait. Donc je vais le mettre de côté et puis... Donc là, ben, je vais venir défaire, décoller la pochette. Voilà, sa poubelle. Du coup, je vais venir vieillir en attendant, voir si je mets, ben, comme pour la couverture là, si je le repasse en noir ou si je le laisse comme ça. Donc je vais venir le vieillir autour. Celui-là avec le doigt c'est mieux. Bon, il est un peu mort hein, mon doigt, mais bon c'est pas grave, je le finis. Bon, je fais ça, je vous retrouve après. Donc alors voilà ce que ça donne. Là, là j'ai forcé un peu parce qu'en fait je vais faire une grande pochette comme sur la couverture là. Comme celle-là. Et du coup, bah, j'ai forcé un peu là par rapport au trou. Mais après, je l'arrangerai après. Donc voilà, je vais choisir mon pack. Non, je vais faire la pochette. Donc une grande comme tout à l'heure, comme pour le devant. Voilà, je suis bien à l'endroit. Donc, ça fait du 19,5. Sur 25,3, donc 28,3, je vais le marquer, 28,3 sur, j'avais dit combien, 19,5 plus 5,5, ça fait 21. Sur 21. Voilà. Donc, on va couper ça. Ensuite, là, le 3.
je vais venir faire les plis. Hop. Donc, 1,5, je fais un pli. Je le tourne, je fais un pli à 1,5. Et de l'autre côté, je viens faire un pli à 1,5. Voilà. Je viens plier. Donc, je pars du milieu à peu près. Et je viens marquer les pliures. Pareil pour l'autre côté. Et pareil. Je viens vérifier que la taille est bonne. Là, c'est bon. Je vais choisir le papier. Alors là, c'est dur, dur à chaque fois. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre, il me plaît trop celui-là. Celui-là, il est trop beau. Donc, je vais à nouveau mesurer. Donc, on fait du... Donc 19,5, donc je coupe de 19 de large sur 25,5. Non. Oui, 25,5. Donc 25. Donc je vais prendre du 19. 19 ou 19,5, je vous ai dit quoi? 19. Donc 19 de large sur 20, je vais y arriver, hein. 25, voilà. Je vérifie par rapport à la taille. Ok, donc je vais ancrer et on se retrouve après. Donc alors voilà, j'ai vieilli. Par contre là je mets pas d'écriture parce que c'est assez chargé et comme je vais mettre des pochettes dessus, c'est pas la peine. Je trouve que ça va faire trop en fait. Donc je vais venir coller le papier décoré. Et donc là, je vais venir me mettre à peu près droit. Et je viens bien le coller. Voilà. Bien sûr, je viens faire le trou. Toujours au pif, je viens ancrer le bord. Voilà. Donc ça, ça va venir là. Voilà. Là, je vois que c'est pas assez ancré, donc je vais en rajouter.
voir ce que ça donne. Voilà, nickel. Donc, je vais faire des petites pochettes. Je vais en faire une en bas, une en haut. Comme ça, il y aura quand même de quoi ranger. Mais je ne vais pas la faire trop haute, celle d'en bas. Parce que je ne veux pas cacher le beau monument. Je sais pas, je crois que c'est les Champs-Élysées, mais je ne veux pas dire de bêtises. J'ai du mal avec les monuments. Vous le voyez, il est trop beau. Donc du coup, je vais faire juste en bas, en fait, une petite pochette fine pour mettre des papiers. Et après, juste une en haut. Donc, je vais la faire de 4,5. 4,5. Donc, plus 1,5, ça fait 5, 6. Je vais la faire de 6,5 parce que je vais faire la bordure. Là. Et donc, je vais la faire de 19,5, ça fait 21. Voilà. Et donc, en haut, je vais la faire de 4,5, 5, 6, pareil, 6, 7, allez, 7,5. Et par contre, je veux qu'elle arrive vers là, donc je vais la faire de 11. 11 plus 3, 14. Voilà. Donc, je vais venir faire les plis avant de faire la bordure. Donc, je fais le pli comme d'hab à 1,5. Je tourne 1,5 et 1,5. Et pareil pour l'autre, 1,5, 1,5, et 1,5. Voilà. Je vais faire ma bordure. Bien sûr, je suis allée trop loin. Hop. Et je fais pareil pour l'autre. Hop. Voilà. Donc, celle-là va venir là. Et celle-là va venir au bord. Oh. Elle est trop grande, celle-là. Non, super. Donc, bien sûr, ben, je vais les décorer. Alors. Donc, ça, ce serait... où je prends la montre. Non. Je regarde en fait. Je vais réfléchir, je vous retrouve après.
Non, en fait, je vais garder le même papier. Je vais faire avec ces chutes-là. Je le trouve trop joli. Donc, comme d'habitude, là, par contre, je vais enlever un demi-centimètre en pliure parce que je trouve que c'est un peu trop juste. Donc, je vais plier à deux, en fait, au lieu d'un et demi. Mais parce que je me suis trompée dans les mesures, hein, je pense. Donc, voilà, hop. Voilà. Et du coup, voyez. Alors, donc je vais prendre celui-là pour le haut. Donc je vais mesurer. Non, c'est la petite. Donc ça fait du 11, donc 10 et demi. 10 et demi et 4 et demi. Donc, bien sûr, je vais récupérer le bout du lampadaire. Donc, je fais 10 et demi. 10 et demi. Sur. Oh. 4 et demi. 4 et demi. Voilà. Donc, ça, c'est pour celle-là. Et donc, celui-là fait 18 et demi sur 3 et demi. Ah, 18 et demi. Je sais pas du coup. Comme ça ou comme ça. Non, je mets celui-là. Je vais prendre celui-là plutôt. Parce que ça va pas aller, sinon je vais avoir le lampadaire en travers, ça va pas faire joli. J'y avais pas pensé à ça. Donc 3,5. J'ai dit sur 18 et demi. Donc 18 et demi sur 3 et demi. Voilà. Hop. Ça, je le garde parce que c'est avec ça, par exemple, qu'on fait le passant là pour le stylo. Avec ce petit bout que je le fais. Donc, je vérifie. C'est OK. Bien sûr, ben, j'ancre. Je vous retrouve après. Donc, alors voilà. J'ai ancré. Là, j'ai tamponné pour rappeler les autres écritures. Ben, maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Là. Donc voilà, ça va donner une fois fini. Et pareil pour celle-là. Voilà. Donc, je vais faire les pliures. Parce que là, je ne les ai pas faites. Hop.
Et là, celle-là, je les avais faites. Donc, je pense que je vais coller d'abord la pochette. Donc alors, on va coller la grande pochette. Je vais commencer, ben, déjà, chose que j'ai oublié, on va couper les en biais, comme d'habitude. Hop. 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 Ça. Ben, du coup, je vais le faire sur les pochettes, hein, comme ça, ce sera fait à y être. Donc, je vais venir coller le grand rebord pour commencer. Donc, je vais me caler sur le bord que j'ai vieilli, là, de ce côté. Je vais essayer de ne pas trop bouger et je vais venir pour essayer d'être droit. Je vais appuyer bien fort. Du coup, là, je pense que ça se voit un peu. Ouais, je suis pas très droite. Donc, du coup, je vais renforcer l'encre marron au bord parce que ça va se voir. Bon, me connaissant, je pense que je ferai au marqueur noir, mais bon, au cas où. Donc c'est vrai que là, du coup, je suis pas en bas et j'ai pas tout sous la main. Voilà. Et il est un peu fichu, mon. Faut le changer. Et donc là, ben, je vais venir coller le reste. Hop. J'appuie le plus possible, bien sûr. J'hésite pas à passer dedans, hein, pour recoller, pour bien appuyer. Bon, ça colle pas trop, ça. Pourquoi ça colle pas bien? Ah. Bon, et bien là... Du coup, vu que ça colle pas bien, je vais prendre la colle. Tant pis, on va essayer. Alors, je voudrais pas un gros trou. Donc, je vais mettre un filet. Je sais pas pourquoi il colle pas bien là. Par contre, je vais venir l'étaler un peu.